Eh bien, salut les gens, on va se faire une petite vidéo sur Ultildan. Nous avons notre compagnie Mexidrim. T'es vraiment fait ça. Oh, vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Hé, hey, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Ils te disent pas tout de suite, c'est dès que tu vois un point lumineux comme là, t'as une éveillée deux secondes. Et t'en avais un là déjà. Ouais. Je te dis, parce que moi aussi, je les appelle, je les ai après. Là, il est au coup, il y a le bol. Il faut que t'appuies sur R2 et il te donne pas le truc tout seul. Et après, faut que tu bouges le joystick. T'es trop sexy avec ses hauts. Oh merde. Putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. On va se le rendre. Bon, faut qu'on intervienne. Il faut que tu maintiennes. T'es trop sexy avec ce haut. Mais je parie que tu les as encore. Enfin, que tu les as encore plus. Oh, ok, d'accord.
chambre d'un lit il y a 2 ans. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, se plotter et voir où ça nous mène. Janus, il faut le tuer, je le tue. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah. Oh, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! C'est juste que tu veux...
Anna. Anna. Oui. Anna. Oh mon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, Bess. Il fait flipper ce mec. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Mais on dirait... Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Comment il s'appelle ? Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accorde. Sa barbe et tout, il a la même gueule. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Je sais pas, je vois plus la tête. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte. Et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. T'as l'impression qu'il se fout de ta gueule, en fait. Merci le chat de faire du bruit. On fait quoi avec son... Je crois que tu la reposes en fait et tu fais l'inverse. Ouais, voilà. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Et si je vous disais que cette maison est hantée? Ainsi, l'épouvantail vous effraie, et pourtant vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel.
J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. La session est terminée. Nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois, voulez-vous ? En fait, quand il m'a dit ça, tu vois, parce que j'ai répondu comme toi, tu vois. J'ai dit, mais va te faire foutre. Et j'aime déjà pas ça trop. Si, il a la même gueule que le mec qui présente les DLC de Black Ops. Je sais pas, je crois que j'ai jamais vu ce mec, hein, ça me dit rien. Hein. J'ai jamais fait gaffe, je crois. Je montrerai. Anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Ouais, aussi, il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide ? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ah, ok, ouais. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais... que vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais... je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici. Pour le rendre là. Je dirais qu'il a les sourcils à l'envers. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. Lui, de partager l'inverse. Avec vous des, non, des moments. Non, mais ça me stresse, c'est tout. C'est des moments inoubliables. Et. C'est parce qu'il doit s'épiler les sourcils. Et je le fais pour mes soeurs. Je sais pas, je vais pas demander, oui. Mais c'est moche. Ok, donc. Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti. I'm not afraid to die.
que ça m'achète. Tu vas. Le portail est passé, grimpé par-dessus, Chris. D'accord. Voilà, tu t'es fait niquer comme moi. Tu dois juste te déplacer. Oui, c'est pas grave. Les côtés, parce que, en fait, moi j'ai refait ça plusieurs fois, je fais mais merde, ça marche pas. Et après, j'ai vu les points. Ok, je t'aide, je peux que tu y ailles un peu. Là, voilà. Si ça se trouve pas bête, tu cherches comme un couillon. Arrivé à la pancarte, c'est que c'est là où je suis. Oh, ah oui, fais gaffe. Salut, petit gars. Bouge pas ta manette, je me suis T'as fait. T'as faim avec. Ça. Oh, merde. Je l'ai posé en fait. Et toi, je la poserai. N'aie pas peur. Pose-la déjà là maintenant. C'est bien. En fait. Allez. Si jamais t'as peur, mais moi je l'ai posé. Du coup. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai fait le geste. T'es chou. Quand tu m'as dit bouge pas, j'ai cru pas bouger du tout. Bah, je bougeais pas. Mais non, c'était la manette qu'il fallait pas bouger. Je ne savais pas quoi. Oui, en fait, ils disent ouais, pour savoir où on t'en est si t'as un objectif à faire en fait. Tiens, j'avoue, la station. Ouais, okay. Si jamais tu sais plus. Bah, c'est mieux pour savoir le temps pour faire ton mieux. Ouais, alors va voir la pancarte là, voilà. Ça faut que tu le notes. C'est un totem. Ouais, ouais, mais en fait, moi je l'ai noté. Parce qu'en fait, si tu veux regarder, tu verras. La population indigène et prophétie des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et ces prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indique la nature de la prophétie. Le papillon noir annonçait la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges provenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons perdissaient une tragédie touchant des amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance. Et de bons augures.
Ou soit au pire, pour les retenir, c'est avancer les limites, c'est parce que quand tu vas ramasser les totems, tu vas le voir. C'est sur, de toute façon, c'est sur les. C'est sur, en fonction de la l'ouverture de la bouche, tu vois. Soit ils sont en forme comme ça, alors. Moi j'ai noté en fait. Le noir, c'est. La mort, quoi. La mort. Après, ça, au niveau des couleurs, ça, tu peux te retrouver, hein, je pense. Bah, hey, mort, la mort c'est tout noir donc c'est la mort. Danger rouge parce qu'en général le rouge c'est le danger. Marron parce que c'est la merde, voilà. Il va t'arriver une couille. Conseil, ouais, jaune ça va, c'est mignon jaune tu vois. Puis ben blanc c'est pur donc la chance tu vois, c'est comme ça que j'ai retenu en fait. Ouais. De toute façon si c'est rouge, marron ou noir, tu sais que c'est la merde alors. Au pire. Non, je veux pas. Je veux pas. Et si t'as pas eu le temps de voir la vision, tu peux la revoir, hein, parce que sinon, des fois ça passe trop vite. Oui, je sais, j'ai découvert un totem. Non, je veux pas regarder. Non, je veux pas. Si, regarde, vas-y. C'est un jaune. Bah, ça va et toi? Mais ça va, t'as compris quoi? Le futur est incertain, réalisé. D'accord, j'aime pas ça me dire. Appuie sur les reins à tout moment pour voir. Oui, mais ça je sais déjà. Ah, mais ça tu l'as déjà vu. Je peux le re-regarder. Au revoir, rien. Non, on s'en fout. C'est bon, on a compris. Tu sais que tu vas aller sur une tombe et qu'il y a une espèce de pigeon qui va te dépousser. Voilà, moi j'ai été voir la pancarte là et j'en suis à là. D'accord. Donc je vais t'abandonner et on va jouer. Voilà, exactement. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Oh, ok, d'accord. D'accord. Le passé est hors de notre portée. Eh bien, les amis, nous nous laissons sur cette vidéo à ce moment. Et nous reviendrons plus tard pour la suite. Et pour ceux qui s'intéresseraient de voir la suite, likez, commentez, partagez. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous !